Salut à tous, c'est Darktet et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle ferme. Et cette fois-ci, on va farmer les Hoglins. C'est un nouveau membre qui a été rajouté dans la version 1.16 du Nether. Et comme vous pouvez le voir, il spawn automatiquement dans cette plateforme qui est derrière moi. Bien sûr, si j'arrive à vous montrer correctement la plateforme. Donc voilà, voilà la ferme que j'ai réussi à construire. Et je voulais vous dire que j'ai construit cette ferme aussi en mode survie et je trouve que cette méthode va me permettre de voir exactement les problèmes qu'on peut rencontrer en mode survie dans la construction. Donc je vais pas vous faire subir tout le process de construction parce que ça va faire une vidéo assez longue. Donc voilà, je vous explique quand même le principe. On est là à 254 d'auteur et on est sur le toit du Nether. Donc le but, c'est d'avoir une ferme dans cet endroit et de s'éloigner du Nether le maximum pour vraiment avoir un max de spawn. Donc là, je suis au milieu de la ferme, donc il n'y aura pas de spawn. Mais si je monte un tout petit peu en haut, comme vous pouvez le voir en bas, on aura pas mal de spawn. Voilà, de Hoglins. Et ils vont tous se diriger vers le milieu de la ferme. Donc on va commencer la construction de la ferme. Il faut s'assurer qu'on est bien dans le bon biome, Crimson Forest, et on va monter jusqu'à la limite qui est 256 blocs. Donc j'ai ramené avec moi tout ce qu'il faut normalement, un shulker box plein de dalles, et des fence posts, du verre et des trapdoors. Et là c'est quelques items qu'on doit rajouter dans la ferme juste après. Alors, donc le but de construire cette ferme tout en haut à la limite de construction, c'est pour éviter vraiment de faire spawner des mobs dans le biome, dans le Nether tout en bas. C'est-à-dire plus on s'éloigne du toit du Nether, plus on va avoir moins de mobs qui vont spawner en dehors de notre ferme. Donc tous les spawns ils vont être vraiment à l'intérieur de la ferme et non pas dans d'autres endroits. Donc là, je suis presque arrivé. Alors, je vais m'arrêter là et je vais commencer à construire. Alors, ce qu'il faut faire, il faut construire une plateforme de 37 x 37. D'accord? Donc, je vais construire la plateforme et je vous dis à tout de suite. Donc, si vous voulez construire cette ferme en mode survie comme moi, vous allez être énormément embêté par les Hoglins qui vont venir vous chercher et vous embêter, c'est-à-dire essayer de vous tuer alors que vous êtes en train de construire la ferme. Du coup, ce que je vous recommande de faire, c'est avant même de finir le contour, faites seulement le contour extérieur. Ensuite, vous pouvez commencer déjà à placer les fungi. Ce qu'on va faire, ce qu'on va venir faire, voilà, on va faire 1, 2, 3 et au quatrième bloc, on va rajouter deux blocs comme ça. N'oublie pas que la ferme, elle est au niveau 254. Donc, je peux pas rajouter des blocs en dessus de ce bloc-là. Et ce que je vais venir faire, je vais mettre les Whopping Vines juste ici, comme ça. Et je vais utiliser le Bone Meal pour les faire grandir plus rapidement. Ensuite, ce que je vais venir faire, je vais commencer à rajouter les blocs petit à petit, comme ça. Voilà. Donc là, je dois descendre 4 blocs. Donc là, c'est 2. Donc là, 1, 2, 3 et 4 blocs. Au quatrième bloc, je dois placer mon fungus. Donc on a dit au quatrième bloc ici et au quatrième bloc en bas. Alors, on va venir ajouter le nilium ici et on va compter 1, 2, 3, 4. Donc on est bon. Et on va mettre le whopping, le fungus comme ça. Et pour éviter que ça spawn dessus, je ne sais pas si ça marche. Non, ça marche pas. On va mettre un slab dessus. Comme ça. Voilà. Pour éviter que les mobs spawnent ici.
Donc ça c'est fait. Alors vous pouvez utiliser la même méthode pour faire la même chose pour tout le reste des blocs, mais pour moi je trouve que c'est plus facile de faire juste ça et faire le tour de la ferme comme ça. 1, 2, 3. Et au quatrième bloc, je vais faire la même chose comme ça. Donc j'ai fini de placer les fungus juste sur les côtés comme ça, une à quatre blocs, une tout simplement au milieu et une tout au fond. Et comme vous pouvez le voir, malgré que je suis en mode survie, les ogrins ne m'attaquent plus parce qu'ils sont trop occupés à être effrayés par le fungus. Donc comme vous pouvez le voir, pour la deuxième plateforme, j'ai fait la même méthode, j'ai utilisé les Weeping Vines pour descendre en bas et placer notre fungus. Et c'est important de placer les fungus avant même de terminer les plateformes, comme je disais, parce que les Hoglins, ils peuvent vous embêter énormément si vous ne faites pas ça dès le départ. Alors, je vais continuer à placer les fungus qui me restent pour cette plateforme. Alors, il faut placer un au milieu, un vraiment dans le coin. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fini de construire les deux plateformes. Donc, j'ai bien placé tous les fungus au bon endroit, que ce soit ici ou bien derrière. Et c'est ce qui va faire fuir les hoglins vers le milieu de la ferme. Et j'ai même rajouté le drop qui va nous permettre de réduire au maximum la santé des hoglins pour qu'on puisse les tuer d'un seul coup d'épée ici. Donc voilà, et même si on laisse la ferme fonctionner telle qu'elle est, d'ailleurs j'étais là pendant même pas une heure et regardez tous les drops que j'ai réussi à avoir. Donc je sais même pas qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Franchement, c'est une ferme super super efficace et c'était pas trop dur à construire. Donc le drop, c'est à 21 blocs de hauteur par rapport à la ferme. Il faut vraiment monter à partir de ce niveau-là 21 blocs. Et comme vous pouvez le voir, les hoglins ne meurent pas parce qu'on veut qu'ils meurent avec un coup d'épée. Ça vous fait gagner également de l'XP. Et si je vous montre ici comment ça se passe, on a des trappes d'or juste là, juste à ce niveau-là. Et les hoglins vont essayer de s'éloigner du fungus qui est là vers les trappes d'or. Et j'ai rajouté des blocs solides de ce côté-là pour qu'ils puissent se diriger vers les blocs solides. Ils vont tous se retrouver dans ce petit trou-là et nous, on peut les tuer avec un coup d'épée juste devant. Donc voilà tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, souscrire à la chaîne comme d'habitude et je vous dis à la prochaine vidéo.